J'ai pas d'intro. Ok, donc nous revoici. Oui, ce n'est que mardi et je sors déjà une nouvelle vidéo. Mais bon, les commentaires live, j'adore tellement en faire au final que du coup je me suis dit je vais en sortir un peu plus souvent. Alors, on va jouer Doshi. Voilà. Ok. Ouais, dans cette situation, moi je sais que j'aime bien approcher. Enfin, j'ai joué un Oshi comme ça parce que j'aime toujours à jouer un Oshi en face d'un Kumoku, blanc surtout. Voilà, ça c'est une habitude que on m'a toujours dit que c'était plutôt pas mal pour noir. C'est pour ça qu'on m'a toujours dit que pour blanc c'était. À l'époque, hein. Aujourd'hui je pense qu'on a le droit de jouer tout ce qu'on veut, évidemment, je le répète. Mais à l'époque, on disait souvent qu'il fallait pas jouer de Kumoku blanc en face de Oshi noir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on joue maintenant? C'est vrai que le coup standard, c'est quelque chose. Enfin, là, dans cette situation, on peut jouer des deux, quoi. Alors moi, j'ai envie de jouer celui-là. C'est un jeu que je me rends compte, je joue pas très souvent, finalement. Parce que j'approche très rarement haut. Sauf dans les situations un peu comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de jouer là. Pour ceux qui connaissent, c'est le coup d'AlphaGo. C'est-à-dire que AlphaGo considère que cet échange en début de partie est lui est favorable. Et ensuite, si je me rappelle bien, il ne répond pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne répond même plus en fait l'extension. C'est vrai que même moi j'ai pas trop envie, j'ai pas envie tant que ça de répondre l'extension non plus. Hein. Y a plusieurs choix ici, je serais peut-être assez tenté par jouer directement une approche encore ici. Après il y a tous les Kema qui sont intéressants si je trouve, tous les Kema et l'approche. Ou même le Sansan. Sansan ça peut être marrant aussi. Ouais mais Sansan c'est un peu too much ici je trouve dans cette situation. J'ai l'impression que blanc il a déjà pas grand chose donc. Tiens, j'ai quand même envie. En fait, j'ai une préférence pour jouer celui-là. Je sais pas. En gros, l'idée c'est que je fais pas d'extension, mais j'ai pas non plus envie de rien faire du tout. Donc, je fais un Kema dans cette direction-là quand même. Bon, ça l'empêche pas de rentrer. C'est marrant. D'accord. Alors le coup standard ici, c'est censé être le coup B13. Je crois même que Lila en fait joue aussi le coup B14. Mais bon, je crois dans mes souvenirs, mais c'est pas sûr que ce soit dans cette situation évidemment comme toujours. Est-ce qu'on pourrait jouer aussi tout simplement l'écrasement? En fait, je crois que ça sert pas à grand chose d'écraser. Enfin, maintenant que j'ai fait cet échange là, je pense qu'il faut. Il faut pas le laisser connecter en dessous, sinon il a déjà une forme tellement solide. Bon, je vais quand même me contenter de jouer le coup standard. Un truc qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est-à-dire que je me sens beaucoup plus léger et beaucoup plus libre quand je joue qu'avant. Pourquoi? Parce que je sais que de toute manière, j'aurai un commentaire de ma partie quasi tout de suite, juste après, grâce à Lila. Je me rappelle, il y a une époque où justement j'aimais même plus jouer en fait parce que je savais pertinemment que je fasse des erreurs ou que je gagne ou que je perde, et bah personne n'allait me commenter la partie et je trouvais ça tellement triste que j'avais plus envie de jouer. Je dis bah personne m'aide, donc du coup bah, je trouvais ça vraiment vraiment relou en fait, et du coup j'avais même plus envie de jouer. Alors qu'aujourd'hui je me dis bah je m'en fous que je perde, que je gagne, c'est trop bien, j'apprendrai toujours un truc, et grâce à Lila, je pense que j'aurai toujours une réponse à. Pourquoi j'ai perdu, ou même dans les parties où je gagne, en fait, je peux toujours apprendre des choses aussi, évidemment, quoi. Il joue là. Extension 1. Ça fait un peu surconcentré comme extension. En fait, j'aurais presque envie de jouer là, mais là, s'il sort ici, presque, c'est un peu gênant, je trouve.
un peu chiant parce que ma position là elle est pas non plus hyper méga stable. J'ai bien envie de faire un Kema. L'idée du Kema c'est que est-ce qu'il peut couper? Il fait Atari, je joue là, il joue là, je joue là, il joue là, je joue là, et ça marche pas. Grâce à mon échange ici, c'est plutôt pratique en fait parce que je peux faire le Kema de manière très impunie, je trouve. J'ai une préférence pour ce Kema. Ok, donc il fait lui-même Kema. Ce qui peut menacer après son Kema, en fait, c'est un Tobitsuke ici pour prendre une bonne forme. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, moi, ce que j'ai très envie de jouer, c'est le Kema en dessous. Vu qu'il a joué une pierre quatrième ligne, j'ai très envie de jouer là. Ça fait des points, ça lui enlève la base de vie. C'est un coup qui reste assez solide. Et ça peut menacer quelque chose de coupe en fait. Hein. Ça peut menacer une sorte de coupe à un moment parce qu'il a lui-même un Kema. Mais je pense que quand je joue là, je pense qu'il doit jouer là. Et ensuite, je peux faire un Hané. Et ça me paraît assez bien en fait. Non? En même temps, je sais pas trop quoi faire d'autre si je fais pas ça. Si je pense que si je réponds pas, il peut très bien faire un Kusumitsuke et essayer de renforcer sa position. Juste faire un Kema. Ça me paraît viser un peu la faiblesse de sa position. Bon, sinon, un truc intéressant à voir aussi, c'est que cet échange, il l'a joué un peu trop tôt, personnellement, je trouve. Puisqu'il m'a donné la pierre en B13. Et pourquoi le coup B13, c'est le coup standard? À quoi il sert en fait ce coup? Bon, déjà à séparer, évidemment, et plus tard, je pourrais jouer le coup B15. Quand il bloque, je pourrais même jouer le coup A16. Il bloque, je connecte et il répond. Et du coup, dans le coin, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11 points. À la base, c'est un coin, c'est un joseki qui donne 15 points dans le coin, on dit. Et là, il n'en a plus que 11, vu qu'il m'a donné le coup B13. On dit que le coup B. Pourquoi je compte comme ça? Parce que le coup B15 c'est mon privilège. C'est-à-dire que c'est sans doute moi qui vais l'avoir en fait, ce Yossé à la fin. Parce que c'est synthé pour moi, alors que lui, s'il joue là, c'est goté. Donc souvent, les synthés, ce sont nos privilèges. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a que 11 points, donc c'est pour ça que c'est un peu tôt peut-être, c'est pas trop le meilleur moment pour jouer sans doute. Bon du coup il joue là, bon c'est facile, hein. Ce qui menace en fait c'est que si je réponds pas, ben il fait Hané et il me capture la pierre. Donc j'ai très très envie de jouer dans la forme. Est-ce qu'on reculerait pas super solide? En fait si je joue là, je suis quasi persuadé en fait qu'il va faire soit notre bambou, soit Tobitsuke. Enfin, je pense qu'il faut répondre en fait, c'est obligatoire. Ouais. Sinon, je pense qu'il faut répondre. Sinon, c'est trop dommage en fait. Ah, il répond comme ça, simplement, d'accord. Bon. C'est vrai que du coup, ça m'affaiblit un peu ma position ici. Pas énormément, mais un peu. Par exemple, il peut faire un Tobitsuke ici. Il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Je peux même faire le Hané. Je pense qu'il n'y a pas grande faiblesse non plus. Mais peut-être certains trucs au Yossé. Peut-être. Bon, en tout cas, là, il n'a pas protégé la coupe. Tout simplement parce que quand je joue là, il bloque. Si je coupe, il peut revenir jouer là. Du coup, il n'y a pas vraiment de coupe. Mais n'importe quel coup synthé dans cette zone ici, par exemple, je protège ici, ça réveille la coupe tout de suite. Donc je pense que là au prochain coup si je réponds pas il va sans doute jouer Tobitsuke. Ça donne presque envie de faire un Tobi. Et Tobi c'est que bah, s'il pousse je fais Hané, l'idée je veux le pousser vraiment vers le haut quoi. Pas un deuxième Kema je pense. J'ai envie de jouer comme ça. L'idée c'est qu'il a une position un petit peu... bizarre en fait qui fait pas d'œil, quasiment pas d'œil on va dire. Bah, donc elle fait pas d'œil du tout. Bah, donc il pousse. Donc là est-ce que je peux faire vraiment Hané? Bah, je pense que oui hein. J'ai pas l'air d'avoir masse problème. C'est toujours intéressant de faire Hané quand on peut faire Hané et de pas juste reculer en Nobi. Souvent peut-être que vous reculez trop rapidement en Nobi
Et si on recule trop rapidement en hobby, on saisit pas peut-être l'opportunité de jouer l'année. Le année, ce qu'il apporte, c'est que je fais année, quand il fait année, je crée la coupe. Et la coupe, en fait, ça peut être beaucoup plus intéressant pour la suite. Bon, souvent, on essaie toujours de réfléchir au double année en premier, mais là, le double année, est-ce qu'il est bien? Je pense que si je fais double année, ben, il va faire Atari, je connecte, il va faire contre Atari. Après, souvent, la combinaison, c'est de faire contre Atari. Ben, non, je fais ça, il fait Atari, voilà, je connecte, il fait Atari, et là, je fais contre Atari. L'idée, c'est qu'il prend et je refais Atari, il peut y avoir une sorte de co, mais je pense que ça peut, à cause du synthé ici, en fait, ça lui est favorable, je pense, cette séquence pour se stabiliser. Vous me direz en fait, souvent je. C'est marrant parce que quand je joue, je pense toujours en fait à qu'est-ce que jouerait Lila. C'est bizarre quoi. Vous savez, c'est comme dans le manga Hikaru no Go, quand Hikaru il se dit toujours et qu'est-ce que Sai jouerait. Il a tellement joué avec lui, il a tellement vu jouer, que du coup, il a une sorte d'intuition qui s'est développée par rapport à ça, et du coup, il arrive parfois à se dépêtrer de situations extrêmes. Et moi, c'est un peu pareil, j'ai tellement joué avec Hila, j'ai tellement fait commenter mes parties par elle que j'ai une intuition parfois, en gros. Là, je me dis en fait qu'elle jouerait sans doute là, mais. Du coup, ça m'incite vraiment à réfléchir à ce genre de coup. Après, bon, si je fais un simple nobi, il va sûrement faire un simple nobi. Est-ce que je peux couper? Ben, je crois pas, parce que comme ça, c'est synthé, je protège et ensuite il peut refaire Atari ici, me capturer la pierre de coupe. Du coup, il peut avancer de manière très impunie. Donc c'est un peu ça, c'est un peu chiant en fait, ça c'est vrai quoi. C'est-à-dire que si je joue là et qu'il recule, et du coup, ouais, à cause des faiblesses de ma position, c'est ça en fait, c'est comme ça que ça se réveille en fait finalement. C'est que j'essaye de le pousser, en fait finalement je le pousse vers un endroit qui est pas si solide que ça. On peut franchement très bien faire double année, je pense. Atari, je joue là, il fait ça, je fais contre Atari, il prend, je refais Atari, après il va refaire Atari ici. Après, il peut très bien recouper par là en fait. En gros, c'est ça qui est un peu dangereux peut-être. Je sais pas. En même temps, ce qui est très intéressant aussi, c'est quand je joue là, c'est que s'il fait Atari là, je connecte. Après, il fait quelque chose ici. Après, si je reviens faire Atari ici, ça sera énorme pour construire quelque chose par là. Ou alors je fais Nobi, il avance et je fais année en fait, hein, tout simplement. Ça lui crée pas mal de coupes et ensuite j'essaye de faire un truc par là quoi. Franchement, sans doute je peux jouer là, mais en fait j'ai trop peur que ils reviennent capturer cette pierre et que ce groupe-là se retrouve en danger en gros. C'est ça ma petite frayeur, on regardera peut-être avec qui là. Ok, je pense que je vais simplement faire Nobi. Ah, double année, ça me paraît un peu trop compliqué, je trouve. À gérer. Ok, donc je pensais qu'il allait avancer en obi, mais il fait tout de suite la gueule du tigre. C'est une bonne chose aussi, hein, je pense. Est-ce que ça menace quelque chose, hein? Par exemple, le cross attach ici en C5, qui n'est pas un cross cut. Cross cut, ça serait de jouer Kusumi et ça. Ça, c'est technique de coupe d'un kema en cross cut. Et technique de coupe un kema en cross attach, c'est de jouer là à la charnière, comme on dit. Il joue là, ici. Ça c'est Inseong en fait, hein, qui dit cross attach. Je vois rien en fait, hein. Franchement, y a pas l'air d'avoir grand chose. Ah si, je joue là en fait, c'est marrant. Je joue année. Ah non, mais je joue année, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Quel coup j'ai envie de faire? J'ai envie de tourner, hein. J'ai envie de faire aussi ça. C'est quoi le plus intéressant? Je pense que si je joue là, il va juste sortir ici et. Ouais. J'ai plutôt envie de jouer ici. Ah ouais, d'accord. Il a pas coupé, hein, de toute façon. Je pense qu'il joue ça, voilà, pour jouer là, quoi. Ok. Bon, là, du coup, ça me fait un territoire ici maintenant. C'est intéressant. Vraiment de faiblesse, du coup j'ai envie de déformer ici avec ce coup là. C'est vraiment la forme hein, dans cette situation. Est-ce que je ferai Atari?
pense que oui. En fait, si je fais pas Atari, après, il pourra jouer là, je joue ici, après, enfin, imaginons je joue là, il peut jouer sa synthé, je bloque, il peut jouer sa synthé, je bloque, il peut jouer là, et là, il fait un œil. Alors que si je fais Atari et qu'il répond, et qu'ensuite, après, je joue là, là, c'est sûr que c'est un bon échange pour moi, si je fais ça et ça. Mais du coup, quand je fais ça, il va faire le nœud de bambou, sans doute. Et ensuite, j'ai pas besoin de répondre. Après, il peut jouer la synthé encore une fois, je bloque et après il joue là et il fait quand même un œil. Il fait quand même l'œil s'il a envie. Quoi qu'il arrive. C'est vrai ça? Oui, en vrai, si je joue là en fait en haut et qu'il fait nœud de bambou, c'est ça que je peux toujours prendre. Synthé. Je peux toujours prendre en fait et là au moins ça c'est. Oui, donc ça me paraît bien en fait finalement. Ça va. On m'y répond simplement. Est-ce que je réponds comme ça? Est-ce que je réponds comment en fait là? On a presque envie de faire le kéma, hein, tout court. Mais là, tour de chichou en fait. Noir, blanc. En fait, le chichou, je vous montre, hein, c'est-à-dire si je fais Kema, il joue cross attach, je joue là, il bloque, je fais Atari, il sort, je fais Atari, il sort, je fais Atari, il sort, et puis après je fais Atari, puis après il sort comme ça, et là il brise. Donc non, c'est peut-être pas une bonne idée ça. Cool, un simple Kusumi, peut-être. Mais Kusumi, c'est pareil, en fait, ça va. J'ai quand même en fait une faiblesse de coupe ici, donc peut-être juste un Kema, alors. C'est marrant, Kema. Peut toujours faire l'œil en fait, finalement, je suis en train de me dire. Hein. C'est vrai que là, en fait, finalement, il avait vraiment un œil, quoi qu'il arrive. Parce que là, en fait, quand il joue ici, c'est synthé, je bloque, il fait l'œil. Donc, en fait, il va vivre là. Hein. Il va vivre. C'est pas grave, hein. C'est juste pour la notion de pression en fait quoi. Est-ce que j'ai encore quelque chose à gagner à continuer à mettre de la pression sur ce groupe ou non? Pense que c'est quand même intéressant d'essayer de fermer le bord ici. Si je fais ça et qu'il contacte, après je fais un Kusumi encore, il coupe. C'est ça qui est compliqué en fait. Si je fais Kusumi, il fait Tobitsuke et quand je joue là, il coupe. Et à cause de ma faiblesse là, ça marche pas très très bien. J'ai vraiment vraiment une préférence pour ce Kema pour essayer. C'est un peu bizarre comme coup finalement. Mais bon, s'il répond pas, ouais, bon, il répond bien sûr, mais s'il répondait pas, je descendais moi-même ici. Et après, c'était peut-être un peu compliqué pour lui de vivre. En tout cas, ça c'est un gros coup. Là, ça peut menacer toute ma base de vie ici dans cette situation. Je vais répondre. Ok, il lance tout de suite ça. Moi, j'ai aucune raison de pas faire Atari, je pense. Est-ce que je réponds maintenant? Là, ça va entacher vraiment la base de vie de ce groupe-là, sinon c'est énorme. Finalement, en fait, en gros, il arrive à glisser en fait comme ça en dessous, donc c'est pas sûr que je sois très gagnant. Là, j'ai quasiment plus rien à gagner maintenant à répondre. Bon, j'ai fait combien de points là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points à peu près, je dirais. Lui, on a dit qu'il avait 11 là. Bon, la partie, ça va, c'est très bien. Je pense que c'est favorable pour moi. Avec l'influence que j'ai. En qu'est-ce qu'on joue maintenant? Donc, il faut jouer des gros coups. Il y a pas l'air d'avoir de... J'ai pas l'air d'avoir de gros problèmes. Donc, comme gros coup, ben, il y a toujours les deux Kusumi. Approche. Sansan.
Sansan, ça donne envie aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer Sansan là. Q14 aussi, hein, s'il répond. Moi, je joue Sansan, j'ai envie. En plus, ça peut permettre de montrer certaines séquences suivant ce qu'il joue, quoi. Je crois que j'ai quasiment jamais joué Sansan depuis que dans mes commentaires live, vu que c'était des commentaires live avant que j'étudie toutes ces positions. D'accord, bon, ça paraît évident qu'il joue ce côté, mais bon, aujourd'hui on peut jouer un peu tout n'importe quoi. Ok, donc il fait ça. Alors normalement aujourd'hui, hein, si vous voulez savoir, on joue Q15 majoritairement pour jouer le double année. On ne joue quasiment plus en fait Q15 pour reculer. Parce qu'on considère que c'est moins inférieur. Alors pourquoi? Bon, il y a certaines vidéos sur internet, enfin il y a pas mal de personnes, je pense, sur internet qui en parlent aussi sur YouTube. Vous pouvez chercher un petit peu d'explications là-dessus. En tout cas, on joue plus les anciennes séquences comme avant. Par exemple, donc il va. Ok, d'accord, ça fait plusieurs fois qu'on me le fait aussi sur Daigle. Bon, normalement, c'est pas ça, Zeki, hein, là, c'est pas bon pour lui. Normalement, il est censé reculer, et en fait, à l'époque, quand il recule, eh ben, on joue le coup P18, il bloque, je connecte, et il fait la gueule du tigre. Aujourd'hui, on fait plus ça. Quand il recule, on pousse encore une fois, il re-recule, et ensuite on joue ailleurs. Peut-être j'essaierai de vous montrer rapidement, en fait, quand la partie sera finie. Vite fait, quoi. Je vais pas m'éterniser non plus là-dessus, parce qu'il y a d'autres personnes qui en parlent aussi. Peut-être je vous mettrai un lien, en fait, en haut à droite de la vidéo. Bref, donc du coup, bah, il joue le coup P18. Bon, bah, là, il faut être très content de pouvoir jouer le coup Q13. Ok, et là, ben, c'est vraiment l'occasion de faire un joli double année. D'accord. Il protège de manière très soumise. En même temps, parce qu'il a le choix. Comment on joue? Je pense que protéger simplement comme ça, c'est très bien déjà. Overtime countdown has begun. Évidemment, Bioyomi. Est-ce que je peux même avancer? C'est une question que je me pose. Ça donne envie, hein. Ouais, j'ai juste connecté. C'est solide, c'est très bien, je pense. Et il joue là. Donc, bon, bah, il construit une certaine zone. C'est pas petit, mais c'est pas non plus immense, immense, je pense. Parce que moi, en fait, en gros, là, j'ai un gros potentiel de choses à faire. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Two overtimes left. Je pense qu'après un coup que j'ai très envie de jouer pour entrer dans la zone ici, c'est ça. Mais pas tout de suite, je pense qu'il faut d'abord que j'ajoute un coup ici. Je sais pas trop lequel ajouter précisément. J'ai un penchant pour celui-là, je pense. Ou celui-là. Je sais pas trop. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Ouais, celui-là en fait, allez. Je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Hein. Je veux dire, ça paraît assez bien, n'importe un des deux, quoi. Ok, donc il rentre tout de suite. C'est ce à quoi je m'attendais, en fait. Je joue là parce que, voilà, je me dis que s'il rentre, justement, comme il est en train de faire. Je peux l'enfermer, non? Avec une séquence comme ça. Ou est-ce que c'est mieux de jouer ça pour attaquer? Nine.
Je vais jouer comme ça. Et ensuite, on peut étendre, c'est ça, non? C'est quoi le mur en fait déjà? Est-ce que je peux jouer là plutôt? 9, 8, 7. Simplement jouer ici. Et là, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je crois que beaucoup de personnes, oui, voilà, connaissent ce coup, mais on le joue quasiment plus, je crois. Maintenant, on considère ça comme inférieur. Et on joue tout le temps le coup Q3. Parce que justement, je peux jouer Q3, c'est ça? Une sorte de double Atari. En fait, après, je descends et ça enlève la base de vie. Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que j'ai vraiment le droit de jouer là. Comme ça. Une sorte de double Atari. C'est vrai que ça fait double Atari. Bon, ok. Et quand il prend. Et en fait, on descend. Et en fait, c'est très marrant ce qui se passe parce que. Du coup, il a pas de base de vie. Comme je peux toujours jouer là, en fait, un peu à n'importe quel moment. Et bah, du coup, c'est fort intéressant. Ok. Il joue là. Bon, là, je pense qu'il faut faire Atari. Hein. Après, il va avoir du mal à capturer cette pierre. Et maintenant, je peux reculer. Ah bon? Ça marche? Non, mais attends. Donc, il va faire Atari, je sors. Il va faire Atari, je sors. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, non? Le guitar ne fonctionne pas. Ah, mais d'accord, il va faire Atari ici. Ok, 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 j'ai compris. Mais c'est pas très gros non plus. Je peux m'en foutre. Il va faire Atari là, c'est ça, hein. Non, même pas. Ok, d'accord. Ok. D'accord, il sort juste de manière très bourrine. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai juste envie de faire un hobby. Si je joue là. Je pense qu'il va arriver à connecter en fait les deux côtés ici, quoi qu'il arrive. 9, 8. 7, 6, 5. Est-ce que c'est important de faire année? 3, 2, 1. Putain, c'est chiant. Je suis quasi persuadé en fait qu'il faut faire année. Toujours, encore une fois, comme je vous dis, en fait, j'ai l'intuition de Lila en fait, en gros, ce qu'elle ferait. Blanc, je recule, il fait la gueule du tigre. Et ensuite, après, j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose. Je vois pas. En fait, comme j'ai un problème de base de vie aussi dans mon coin, je trouve. The last overtime. 9. 8, 7, 6, 5, 4. J'ai plutôt joué simplement ça. Et là, faut que je fasse attention à ma base de vie, en fait. C'est ça le délire. Je pense que je suis obligé de reculer. Hein. Avec ça, je suis vivant, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'était vraiment la meilleure manière de jouer? Bon, de toute façon, c'est quand même cool ce que j'ai obtenu, hein, faut le dire. Hein. C'est plutôt pratique. Bon, il joue là. Je pense qu'il faut que je bloque. Hein. J'ai pas nécessairement de gros problèmes, en fait, ici, je pense. Je peux sacrifier certaines choses si jamais il trouve une faiblesse. Ok, bon, il finit par être goté. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il soit goté. Bon, bref, ok, il est goté. Mais du coup, maintenant on a envie de développer tout ça. Par exemple, avec un truc comme ça, non? Ou ce coup? The last overtime. 9, 8, 7, 6. Ok, bah c'est très bien. J'ai pas trop besoin de compter les points, je pense que bon, noir est plutôt pas mal. D'accord. Comment je vais jouer là maintenant? J'ai très envie de tester sa réaction. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est un coup que j'adore jouer. Même il a renforcé un petit peu sa position, j'ai quand même envie de jouer là. Je pense qu'il va être censé obligé de faire ça. Il ne fait pas ça. Ah, c'est malin ça. Si je joue là, en fait, en gros, il va pousser. Mais je vais jouer ici, non? Je peux sacrifier. Hein.
Franchement, ça me dérange pas trop en fait qu'il joue là, je trouve. C'est le... Ah là, c'est intéressant aussi de faire année par là, je trouve. Plutôt essayer de faire ça. L'idée, c'est que j'ai vraiment envie de développer le centre. Je pense qu'il va rentrer. Et quand il rentre, après, je peux peut-être. Voyez l'idée? Mais ça marche pas très bien pour capturer les deux pierres, je pense. Mais au moins, je peux peut-être me stabiliser rapidement ici. Ah bon? D'accord. Je vais jouer là, ouais. Est-ce que ça peut embêter sa base de vie à un moment ici s'il me fait pousser jusque-là? C'est une grande question. Bon, au niveau des points, il a pas grand-chose hein, quand on regarde. Ouais, il a pas réussi à faire pas mal de. Il a pas réussi à faire beaucoup de points finalement. Ok, donc il finit par jouer là. Normal. Il menace de jouer un énorme coup ici. Que je ne vais pas lui donner. The last overtime. Quoique, Nine, si je joue là, en fait, qu'il eight, fait atterrir ici, je seven, connecte. Est-ce qu'après, il peut s'en six, sortir facilement? five. Moi, j'ai pas le temps de lire. Ah, d'accord. La violence. Bon, je vais couper d'abord. Il va être obligé de revenir jouer là un moment. Là maintenant, il est obligé. Non. Franchement, si je joue là, c'est chaud, non? Ah d'accord. Excuse-moi. Mais c'est malin comme coup. Est-ce que je peux jouer là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok, d'accord, je suis obligé de faire ça. Ça c'est synthé. Ah ouais, trop malin. Trop malin, maintenant il peut jouer là. Ah ouais, je me suis fait un peu avoir. Mais c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave puisque bah, j'ai réussi à faire des points dans cette zone quoi. C'était pas ma zone, hein. C'était pas à moi ça. Et j'ai réussi à faire des points dessus. Donc c'est cool. Bon maintenant avec ça, je pense qu'il vise vraiment la faiblesse ici. Il faut que je fasse quand même gaffe. J'ai très envie d'abord de tenter The last mon yossé overtime. par là en fait. Nine, eight. Ok, bon, il m'enferme complètement, mais bon, ça fait pas grand-chose non plus, je trouve. Je vais perdre un peu de points au centre, mais bon, c'est pas très grave puisqu'il a perdu tellement de points aussi de partout. Ah, du coup, j'ai très envie de pousser. Et allez. C'est très gros. Hein. D'accord, mais il recule. Super. Je pense que c'est pareil. C'est très envie de pousser une fois ici. Ça menace Atari en C17 qui est énorme, du coup, il répond. Voilà. J'ai quasiment pas de problème en fait de vie ici. Hein. Je peux jouer là et ça menacera à la fois de jouer soit ça pour vivre. Donc du coup j'ai pas de problème de coupe ici, je pense. The last overtime. J'ai juste envie de. Nine, eight, Peut-être juste ça. seven, six, five. En fait, j'ai envie de le. Je pense qu'il y a rien en fait. Non, je pense qu'il y a rien. J'abuse un peu peut-être, mais juste. Pour voir.
Je me dis, je sais pas. Non, vous voyez ce que je me dis? Non, je pense pas que je peux le tuer, mais comme il joue des Kema, ça se coupe. Il y a une position qui est un peu ouverte à ma pierre ici. Du coup, on a envie d'entrer pour voir. Oui, Unzoré, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. J'allais dire, bah en fait, si je joue là, c'est bon, il connecte tout, il n'y a pas de problème. C'est drôle. Mais en même temps, c'est marrant, j'ai joué là, il a répondu là, vous voyez, c'est rigolo, non? C'est rigolo. Et encore, est-ce que je peux pas le couper encore un peu ici, quoi? Si, on peut faire avec ça et ça, The mais bon, là, last il faut vraiment overtime. être très solide. Nine, eight, Bah là, seven, je sais plus quoi jouer six, en fait maintenant. five, four, three. Ah, je sais plus. Eh non, ça marche pas ça, Camille. Quoique, je sais pas en fait. Est-ce que je peux menacer un truc avec ça? Il répond pas? Ah non, d'accord, il répond pas. Je peux pas jouer là. Ensuite, je joue ici. Il joue là, je joue ce truc là. En fait, tu es obligé de jouer là, je connecte. Après, il peut peut-être jouer dedans. Peut-être si je commence par là en fait alors. Je peux pas jouer là? J'ai un problème là. Je sais pas, j'arrive pas à lire s'il peut me tuer ce groupe en premier. Peut-être, hein, en fait, hein, je sais pas, je sais pas, en fait, je sais pas, je sais pas. Bon, j'ai quand même envie de le faire. Voilà. Comme d'habitude, je prends mes décisions comme ça, au gros, quoi. Je fais les choses, voilà. Puis après je meurs et ensuite je m'adapte. Voilà. Je pense que j'ai un problème. Je pense que c'était un peu abusif. Franchement, il a trouvé ce coup, bien joué, hein, parce que. Est-ce que ça marche vraiment en plus là ce qu'il est en train d'essayer de faire en fait? Non, non, mais non en fait. Parce que. Ah oui, mais je vais récupérer ces pierres. Ah, c'est marrant. Je joue là. Il est obligé de prendre. Il ne peut pas jouer là. C'est beaucoup trop drôle. Mais je vais pas les prendre tout de suite parce que c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros. Je vais sans doute faire un coup comme ça. L'idée c'est de menacer de. Je sais pas en fait. On essaie de protéger la coupe ici de manière un peu plus dynamique. En essayant de créer un passage ici à un moment peut-être. Trop malin. Bah finalement en fait il va pousser couper quoi. L'enfoiré. Ah, il a raison. C'est pour ça que j'aurais sans doute dû commencer par là, hein, peut-être. Hein. Parce que là, le truc, c'est que il menace de me couper à un moment, je crois. The last overtime. Ou il menace de me couper 9, par là. 8, Eh, 7, c'est relou. 6. Bon, tant pis, je protège. Ok. Est-ce que je peux jouer là? L'idée c'est que s'il monte, je fais ça, s'il monte, je fais ça. Tu fais ça, je fais ça. Je connais. C'est d'essayer d'avoir un peu plus en fait que simplement la pierre ici. Je crois qu'il a pas le droit de jouer là en fait. Non, je coupe. Et il peut pas faire année parce que je fais ça. Je me disais qu'il jouerait là un jour. J'ai pas envie de jouer là parce que ça, il va avoir sa sainteté. Ah, c'est The chiant. last overtime. Nine, Je fais double eight, atari. seven, six, five, Ou je fais atari ici. four. Moi, je fais atari ici. Comme ça c'est pas sainteté. Faut que je fasse attention en fait parce que sinon là, il peut créer peut-être un peu trop d'adji et. C'est pas grave si je perds les deux pierres ici. Hein.
partie est déjà plutôt intéressante. Non, ça marche pas. Oui, ok, d'accord, bah, joue vite. Qu'est-ce que tu veux, quoi. Ok. Bon, maintenant, l'idée, c'est de vivre. Avec ça, je suis The dur, hein. last overtime. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bon, je vais jouer là. Santé. C'est marrant, il y a plein de joueurs en fait aussi, je trouve, comme ça sur ta game qui se réveillent en fait à la fin de la partie, quoi. Genre, d'un coup, t'as l'impression qu'ils jouent mieux. Hein. Peut-être parce que moi je me relâche, non, je suis pas sûr. J'ai l'impression que tout d'un coup, ils veulent vraiment gagner. Mais au début, en fait, ils jouent pas mal de coups. Sens un peu mou, je sais pas quoi. The last overtime. En tout cas, il est pas si faible que ça, lui. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, je vais juste protéger ici pour les points. Ah bon? Ah d'accord, je vois. Je peux jouer là. Ouais, en fait, si je bloque, en fait, il pouvait monter et je pouvais pas couper. Mais c'est, vous voyez, en fait, en gros, c'est marrant quand même comme adversaire, ça. Dans le sens où je me fous pas de sa gueule, mais il se réveille en fait, quoi. C'est vraiment ça. C'est, je sens vraiment que le mec se réveille. D'ailleurs, en fait, faut que je fasse gaffe là parce que à cause de ça. Ah, il est chiant. Je joue là. Ah, mais il a plus de temps que moi pour lire depuis tout à l'heure aussi. Et je veux ça. C'est pas grave, je sacrifie une partie. Tant pis. Avec ça, je suis synthé, hein. Comme ça. Bon, j'ai, même si je joue là, j'ai pas de problème de liberté. Donc ça va. Bon, c'est quoi le meilleur yossé maintenant? Ça c'est gros. The last overtime. Ça c'est gros. 9, 8. Je crois que ça c'est 10 points synthé. Enfin, peut-être pas dans cette situation. C'est un peu plus mon privilège que son privilège, peut-être. Ah, quoique non, c'était gros pour lui quand même. Ouais, je sais pas en fait. Enfin, non, peut-être pas. Ok. Il répond pas. Okay. En fait, en gros, il essaye de maintenir son initiative, mais il sait que de toute façon, il va la perdre à un moment. Il va la perdre en devant jouer là, quoi. Et voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est, il doit la perdre. C'est... Est-ce que je devrais pas faire attention, en fait, un peu ici, quand même. Je vais sans doute ajouter un coup quand même, parce que là, ça commence à devenir gros maintenant. Oh, faut que je fasse attention à un truc en fait, ça c'est synthé en fait, non, ça va me faire perdre deux. Ça ce coup ça vaut 2 points, ah, c'est marrant. Ok, donc il protège là, oui c'est vrai que ça c'était peut-être le plus gros qu'il a mis en fait, quoi. Bon. Bon, du coup je peux jouer là maintenant. C'est pas synthé, je suis bête. Bon. Oh, pour une fois, je joue contre un adversaire en fait finalement qui est pas si mauvais que ça. Surtout à la fin de partie là, il joue bien. Hein. Il joue bien.
soit, des trucs, mais... The last overtime. C'est quoi la meilleure manière de jouer là? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, je sais pas. Est-ce que j'aurais pu pousser en fait et me mettre en auto Atari? On sait rien. Ouais, si je peux faire Atari ici. Pousser. Si tu peux jouer là. Bon. Ça devient gros aussi maintenant, parce que si lui-même il le joue, en fait il peut menacer en fait du Yossé par là. Oui. Ah mais il joue là en fait, oh, il aurait tellement dû jouer là je trouve. Parce qu'en fait s'il joue là, il m'enlevait des points, mais vraiment. Ah là là il s'est trompé, là, c'est une erreur. C'est une petite erreur de Yossé, c'est une erreur de Yossé, c'est pas une petite erreur. Non, The last overtime. En fait, un mec il hésite. Bon. Bon, je pense de toute façon que je suis devant. Hein. J'ai pas le temps de compter, pour le coup. Il est obligé de répondre en premier. Je vais jouer là. Là, je dois répondre maintenant, bien sûr. Les pierres simplement. J'essaie de pas faire de bêtises parce que comme il est, je le sens vraiment au taquet en fait là. Je sens qu'il lâche rien. Bon. En fait c'est marrant parce qu'il s'est mis à rien lâcher mais tard dans la partie. Il avait pas cet état d'esprit je trouve au début, cet adversaire. Il s'est réveillé au fur et à mesure. Je pense que ça nous arrive à tous parfois de jouer comme ça aussi. Et souvent on peut regretter de ne pas avoir eu cet état d'esprit plus rapidement quand on joue. Souvent on se met vraiment à être ultra sérieux quand on a parfois plus trop de chances de victoire. Ça marche ça Ah oui mais merde en fait, je suis pas en train de me faire avoir là. Parce qu'en fait, si je joue là, il peut faire contact Tobitsuke. Je joue ici, il peut jouer là. J'ai combien de liberté là? J'ai 1, 2, 3. Ah, j'arrive pas à lire. Ah, j'ai pas envie de pas répondre. C'est bon, hein? Mais... je peux jouer là. Et c'est 3 contre 3. Voilà. Bon, là, j'ai réussi à juste à lire ça juste à la fin, heureusement. Ah, parce que je voulais pas me soumettre. C'était pas possible en fait. Depuis tout à l'heure, en fait, en gros, je peut-être. Non, si je me relâche vraiment, peut-être. Hein, en fait, finalement. c'est bien possible au final. Mais vous voyez en fait comment. Faut jamais se relâcher au go parfois parce que on sait jamais ce que ça va donner
ce que notre adversaire en fait va choisir en fait de d'être à un moment. Parfois il va se dire bah allez c'est ma chance, je vais tout donner en fait, je vais rien lâcher. Et nous en fait on se dit bah c'est bon, il a tout lâché depuis tout à l'heure, je réponds pas. Enfin, c'est pas que je réponds pas, c'est genre je réfléchis pas, ou je réfléchis moins, j'ai gagné, c'est bon. Et puis c'est justement à ce moment-là qu'on perd. Parce que notre adversaire lâche rien, nous on lâche un peu, et ben la force des deux en fait fait que on finit par perdre. Bon, moi je vais jouer là, ça c'est un coup très intéressant, s'il répond pas, il peut perdre des points. C'est-à-dire que je peux jouer là, il répond, et ensuite je peux jouer Varikomi. Ah voilà, il répond, bien joué. Du coup ça devient gros aussi. C'est intéressant comme Yossé aussi à ce moment-là, parce que s'il répond pas, je fais Atari là, je joue là, je fais Atari là, il joue là, je fais Atari là, je joue là, je fais Atari là, il répond là et je tue tout. Voilà. Mais non, du coup il va répondre ici. Bon, il peut répondre ici aussi, ou si en fait en retour est possible en fait, hein, mais en tout cas il doit répondre. Sinon il perd la pierre là. Ok, il répond pas. C'est synthé. Oh, c'est synthé. Tiens, c'est chiant. Ne pas répondre bêtement au Yossé comme ça. Ce coup-là peut permettre d'enlever un point de plus ici. D'ailleurs. Bon, d'ailleurs, en tout cas, c'est très intéressant quand je joue là, je trouve. Mon Dieu, s'il répond là. Mais non! Oh non! Il le fait vraiment! Mais pourquoi il fait ça? Aïe 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 aïe. Mais il est fou! Attends, j'ai mal lu? Mais non, mais c'est bon. Mais lol. Oh non! Il a fait une grave erreur en fait. Mais non! Mais. Oh non, le pauvre en fait, depuis tout à l'heure en fait, il doit être tellement être au taquet en fait qu'il se rend pas compte. Oh là là! Oh le pauvre! Il doit être dégoûté! Je pense qu'il a fatigué finalement. Ah, c'est drôle! Ah là là! Bon, ben comme quoi. Ah là, il s'est pas relâché. Vraiment, il y a un moment où, vous voyez, en fait, il a été au taquet pendant long. Enfin, il a commencé vraiment à se dire: allez, je veux gagner, je vais essayer de tout faire au Yossé et tout, quoi. Et bah c'est épuisant au bout d'un moment, je pense hein, que c'est ça. Je pense qu'il a rien lâché. Il y a un moment où je pense qu'il fatigue, il veut toujours avancer sans jamais s'arrêter. Et sauf que là il fait une erreur, une ultime erreur d'ailleurs en fait, en gros quoi. Et du coup voilà quoi. Ah c'est fou. Ah, il doit s'en vouloir le pauvre. Sinon j'avais prévu un truc, bon mis à part ça, rapido pour montrer un truc vite fait. Là. Juste, bon, normalement il répond, hein, d'accord. Hop. Normalement il répond. Là. Ici, par exemple. En fait, je me dis, si je joue là, il joue ici. Ensuite je peux jouer là. En fait ça c'est on peut croire en fait que c'est juste donner un point, mais en fait non, ça vaut plus qu'un point. Ça vaut aussi, enfin quand je joue là, ce coup là n'est plus un point. Est-ce que vous voyez? Comme il a pas d'œil, il prend la pierre, c'est vrai que je perds un point. Mais là il en perd un aussi, parce que à la base en fait si je jouais là, voilà. En tout cas, je sais pas combien ça chiffre en fait en gros ce coup. Faut voir, parce que en plus il pouvait jouer là et ce coup là pouvait générer ce point et ce point. Maintenant qu'il joue là ou pas, en fait en gros il aura jamais celui-là, jamais celui-là. Donc, je sais pas, en fait peut-être 3-4 points je dirais, un truc comme ça. Synthé, Gauté, je sais pas en fait, peut-être Gauté. Ouais. Bref. Et là j'ai pas de transition. Donc comme d'hab, on va essayer de revoir la partie avec Lila. Donc c'est parti, je viens de la charger. Comme ça. Alors voyons ça. Donc je suis noir. Ok, faire Lila, je jouerai quoi? Lila, je jouerai aussi en troisième ligne en fait ici. Hein, c'est
Ouais, moi j'aimais bien. C'est vrai que je joue jamais la quatrième. Ok, bon. Soit, ça c'est normal, il n'y a pas de gros problème. Je pense que le coup d'AlphaGo, il n'y aura pas de gros problème non plus. Ah, d'ailleurs, c'est drôle en fait. Le coup que je joue, je sais pas si vous voyez, en fait, il est 1,8% meilleur que, que ce qu'elle propose. C'est rare. C'est rare, c'est rare. C'est-à-dire que là, elle propose des coups à 44,2 sur le côté à droite, vous voyez. Ok. Et quand je joue là, elle, ce coup-là, en fait, passe à 45,5. Du coup, c'est 1,5%. Mais parfois, ça arrive aussi hein, qu'on joue, qu'on trouve des coups meilleurs, en fait, que ce qu'elle que ce qu'elle prévoit. Ça peut arriver dans de certains TSUJI que ça dépend du network en fait, ça l'algorithme en fait, à quel point il est évolué ou pas. Voilà. Bon, au fur et à mesure, ça évolue. Hein. Donc il répond. Soit. Et je suis venu faire le Kema en haut à gauche, qui est un coup proposé. Hein. Et c'est vrai, vous voyez, en fait, c'est marrant parce qu'elle propose même pas l'extension normale pour noir ici. D'ailleurs, bon, c'est un coup normal, hein, je pense. Hein. Évidemment, vous voyez, hein, il n'y a aucun problème. Hein. C'est même un peu, voilà, vraiment normal. Mais c'est vrai que j'aime, je sais pas pourquoi j'aime moins, parce qu'en fait, c'est vraiment à cause du Sansan, je pense, qui est ouvert. Comme le Sansan est ouvert, en fait, aujourd'hui, on priorise vraiment, vraiment les coins. C'est super important, le coin, protéger son coin, faire des points dans le coin rapidement en faisant un Kema après un Oshi ou en faisant un Shimari après un Komoku. Voilà. Donc je joue là. Et waouh, c'est marrant quoi. C'est finalement, finalement je pensais que c'était un peu tôt, mais finalement c'est peut-être le. Il faut absolument jouer là maintenant. Ouais, finalement, ok, je comprends en fait. En gros, c'était ça mon idée en fait. Finalement, je me rends compte. Je joue le coup C14 parce que si jamais il répond pas à gauche, eh bien je vais rajouter un coup à gauche et ça va faire terriblement beaucoup de points et ça sera très intéressant. Ça fera même de l'influence. Donc du coup. C'est important que blanc entre maintenant tout de suite pour justement interdire à noir d'avoir ça. Bon là il y a plusieurs choses proposées. C'est vrai que j'ai même envisagé Tenuki, hein, c'est de pas répondre, comme par exemple en haut à droite. Mais oui donc bon bref ça c'est un coup standard. Et ensuite, ok, elle propose Kukema pour blanc. Je pense que c'est vraiment pour sortir de manière légère. C'est un coup assez flexible. Le but étant pas de prétendre à attaquer le noir, mais juste d'interdire à noir de développer un trop grand potentiel influence ou territorial sur le côté à gauche. Mais il a joué ici. Et c'est vrai que ce coup-là est un peu plat. En fait, il rentre chez moi et il joue de manière très, on va dire, très sous-marin, en gros quoi. Oui, encore, c'est pas trop sous-marin, mais un peu dans le sens où il joue très en bas, plat en fait, quoi, mais à chez moi, du coup, c'est en dessous de mes pierres. Du coup, on n'a qu'une envie, c'est vraiment de lui monter, de monter sur ses pierres. J'ai hésité en fait aussi avec le coup D9, c'est vraiment un coup, j'en ai pas parlé, je crois, mais j'avais très envie aussi de jouer celui-là. Mais le Kema, ça me semblait vraiment le coup normal dans le sens où ça écrase sa position. Et oui, un simple Kosumi, sans doute, ouais, ça aurait été mieux pour blanc, une forme solide en fait, pour bien sortir, plutôt qu'un Kema. Parce que je pense que son Kema, quoi que ça va, c'est un coup normal aussi. Ouais, bah si, ok, d'accord. Dans le sens, c'est un coup normal pour se dire, il sort de manière assez légère et flexible, parce qu'il prétend pas à tout pouvoir sauver. Et en tout cas, moi, je suis content en fait ici, j'ai bien interprété aussi la situation. Le Kema, en fait, vraiment l'idée d'enlever la base de vie. Plus d'attaquer la position, de choper vraiment la forme. Ouais. Oh ouais, le Keba, cool. Et bref, ok, bon, peu importe en fait, on va pas regarder non plus à chaque fois ce que Blanc aurait pu faire aussi. Donc Blanc a joué là, ça c'est vrai que. C'est bizarre, c'est marrant. Pour moi, c'était pas un si mauvais coup que ça, ce coup-là. C'était pas terrible, c'est vrai, parce que je peux jouer à la place ici, mais à ce point-là, c'est mauvais. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, oui, c'est clair que j'allais avancer. Il répond. Et là, en fait, en gros, bah, il faut répondre dans cette zone. Bon, je pense que mon Tobi, en fait, ça va aussi. Hein. Je pense pas que ça soit un trop mauvais coup parce que je joue dans la direction de jeu aussi. Quoique, finalement. Je
Peut-être c'est un peu trop près, j'avais pas besoin de jouer ce Toby si proche. J'ai vraiment hésité à faire le Kema en fait, hein, celui-là. Et vous voyez en fait cette séquence-là, c'est vraiment l'idée que j'ai eue, que je voulais faire. Bon, j'ai plus ou moins réussi à faire ça dans la partie aussi, hein, mais c'était vraiment mon idée d'arriver à faire quelque chose comme ça. À le pousser vers le nord pour construire un truc comme ça, mais est-ce qu'il y aurait vraiment un problème avec le Toby? Et oui, en fait, en gros, le problème avec le Toby, c'est tout simple, c'est qu'il peut jouer le coup E12. Voilà. En fait, non, c'est facile. Il peut jouer le coup E12 et ça abîme ma pierre en E11. Tout simplement. Et du coup, j'aurais dû jouer un Kema, un coup un peu plus. Un poil plus éloigné, en fait, que le Toby, pour éviter, en fait, de me prendre de la force comme ça, en pleine pierre. Et non pas en pleine tête. Ouais, ok, d'accord. Ouais, là, j'ai aussi hésité à faire le simple Nobi. Est-ce que c'était un peu too much en fait ça? Bon, je pense que ça va quand même. C'est pas non plus trop cata si. Non, ça va. Bon, on va avancer. Ah mais là j'aurais juré en fait qu'elle proposerait le double année parce qu'elle irait plus loin. Et finalement elle propose le simple Nobi. Bon bah ça va. Finalement en fait ce que j'ai lu ça doit vraiment être ça le problème alors. Non? Ah peut-être même pas. Ah oui elle propose carrément double année en fait si je joue. Ah non mais finalement c'est vraiment envisageable. Moi j'avais peur en fait de ce coup-là. Finalement apparemment pour elle c'est... Ah ouais elle propose vraiment ça, ça. Ah oui mais recule, ah oui mais je suis bête en fait. En fait j'ai trop imaginé en fait que j'étais obligé de jouer là. Et du coup bah oui, moins 27, moins 28. Mais oui parce que après je flippe en fait de ce coup-là. Vous voyez la séquence en gros je finis par me faire attaquer au sud avec ça. Vous voyez, hein, il fait Atari là. Voilà. D'abord, blanc commence par jouer là, c'est marrant. Oui, blanc commence par jouer là et revient en fait en bas. Ok, bon là ça va vite, hein, évidemment. Ah oui, mais oui, je suis bête en fait. Juste on recule, c'est très bien. Juste on recule, c'est très bien, comme ça il n'y a pas de problème de ce coup-là. Il y a beaucoup moins de problèmes. Bon, il y a peut-être de cross attach en fait ici, mais. Bah, le clamp, on peut dire là dans cette situation. Plutôt une pince. Ah là là, ouais, j'ai pas vu le recul. Ok, du coup j'ai hésité à faire ça. Mais j'aurais bien aimé jouer le double année, hein, franchement. Surtout que, ouais, voilà, là c'est 1,2% meilleur que ce qu'elle propose. C'est dingue, hein. Je pense que si on la laisse réfléchir un peu plus, elle va le trouver à un moment, non? Souvent, en fait, en gros, là, voilà, vous voyez, regardez, c'est ça que je voulais dire. C'est que souvent, on attend un peu plus. Bon, il faut avoir une grosse carte graphique, hein, quand même, pour que ça aille plus vite. Là, ce que vous voyez, les K, hein, c'est vraiment des... C'est en 1000, hein, en fait. Hein. Genre, c'est 7800, 8000, voilà, c'est... Et, ouais, finalement... Oh là là, finalement c'est le double année qu'il fallait faire quoi, vraiment. Mais c'est toujours intéressant quand vous faites année, on vous fait année, pensez, réfléchissez au double année toujours en premier. Ça veut pas dire que vous allez le jouer. Vous voyez, moi je l'ai pas joué d'ailleurs dans la partie. Ça veut pas dire que vous allez le jouer. Ça veut dire que vous y avez réfléchi en premier. Donc comme ça vous faites l'effort de toujours dire ah ouais le double année c'est vrai, j'oublie à chaque fois, tiens je vais y penser, je vais y réfléchir, je vais lire un peu, tu lis un peu, blablabla, puis tu arrives pas, tu fais oh j'ai l'impression que je peux pas. Bon. Et après, bah, tu demandes à te faire commenter ta partie et quelqu'un va peut-être te montrer, ah bah non, tu pouvais vraiment le faire parce que voilà, ah mince, je me suis trompé dans la lecture. Bon, t'as fait une erreur de lecture, c'est pas grave en fait, ça arrive. Et voilà, moi je me suis pas senti de le faire, je l'ai pas fait, j'ai pas pris de risque. Bon. Mais bon, apparemment c'était pas risqué. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que le simple Nobi, ça va très bien aussi. Il joue là. Et oui, le Kema en fait, c'était sans doute mieux aussi. Ah là là, là j'ai joué trop au contact, je pense. Et là, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal en fait à me détacher de ces pierres en fait. J'ai trop focus mon attention sur mettre de la pression sur ces pierres un maximum, alors qu'un Kema c'était sans doute bien mieux, beaucoup plus léger en fait. Ça aère un peu les positions et ça peut même dans ce sens-là mettre plus de pression pour blanc parce que ça l'entoure de manière plus éloignée en fait quoi. Ouais. Du coup, c'était ouais, ça semble pas terrible ça. Mais bon, comme je suis toujours à 55%, ça va en fait. Hein, c'est comme je vous dis en fait, tant que vous jouez pas de coups qui vous font descendre en dessous de 50%, qui vous font basculer du plus par exemple plus 55 à 45, y a, oui, enfin, qui vous font basculer de 55 à 45, et ben ça n'impacte, c'est pas, on peut pas vraiment parler de mauvais coups. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que et même quand si vous tombez à 45, est-ce que c'est si un mauvais coup que ça? Voilà, c'est toujours. Moi, j'ai souvent cette discussion avec certaines personnes, en fait, quoi. À quel moment on peut dire qu'un coup est mauvais? Il y a même des personnes, en fait, qui m'ont déjà dit, ah non, mais tant que Lila, elle dit pas que c'est moins 35, moins 40%, en fait, c'est pas un mauvais coup.
Ouais, mais là, le truc, c'est qu'à partir de là, même nous, on s'en rend compte que c'est un mauvais coup. Même nous, on le sait. Bah oui, là, c'est une grave erreur. À partir de moins 45%, c'est ultra visible. Par exemple, voilà, à la fin de la partie, ce qu'a fait mon adversaire, c'est... Bon, je pense que la partie est déjà finie pour lui, donc il n'y aura pas de moins 45. Il était... voilà. Bon, bref, il a joué là. Ça, je pense que c'est pas bon parce que ça me renforce beaucoup trop. Oui. Donc, je réponds, évidemment. Ouais, il aurait vraiment dû faire la gueule du tigre ici en premier, hein, ça c'est clair. Ça c'est pareil, ça me renforce trop dans le coin, ça me donne trop de points. C'est pour ça, il continue. Et oui, là, bon, après, les deux points vitaux, hein, soit l'Atari en premier, soit le point vital en premier. Il répond à Atari. Bon, là, à partir de là, c'est vrai que ça va peut-être donner une partie. J'ai vraiment hésité à faire le Kema, c'est fou. Mais en fait, ouais, mais j'en étais sûr, en fait. Vous savez quoi? J'en étais sûr. En fait, le problème... Moi, je pensais que c'était ça, le problème. Et en fait, je pensais que j'étais obligé de jouer là, vous voyez? Et encore une fois... Mais même là, en fait, oh, c'est pas si mauvais. Ah bon? Mais si je joue là? Mais je peux faire Atari, vraiment? Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait un chichot. J'ai mal lu le chichot. C'est possible. Ah non, j'ai pas mal lu le chichot. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pousser, pousser, pousser. Et en fait, après, elle s'en fout. Elle revient jouer là, elle joue plus chichot. Oui, parce que chichot est pas bon. Hein. Hein, d'accord. Il y a un problème avec la coupe ici. Ouais, d'accord. En fait, tout est possible pour Noir. Ah oui, mais d'accord. En fait, elle s'en fout de cette pierre-là maintenant. Elle, si on tue ce groupe-là, c'est trop bien. Donc, elle va menacer de tuer ce groupe-là. Ok, d'accord. Je vois quoi. Ouais, j'ai pas pensé à jouer comme ça. Pourtant, ça paraît pas très compliqué de se dire pas grave, le chichot, on s'en fout, on se protège en arrière et tout ça. Mais même en plus, c'est marrant parce que de se dire que oui, elle joue là aussi. Ça, j'ai voulu y penser. Encore une fois, je suis en train de commenter la partie en live. C'est très compliqué de réfléchir rapidement dans ma tête à beaucoup de choses en parlant. Le fait de parler, ça réduit beaucoup notre capacité de lecture. Donc, j'ai pas le temps de lire les coups que je connais, par exemple, le coup H16. Mais j'ai pas le temps de l'envisager, de le lire correctement, tout ça, quoi. Il faut, voilà, il faut bien prendre le temps d'analyser, tout ça. Bon, du coup, j'ai joué Kema. Bon, je pensais que c'était un coup un peu bizarre, mais finalement, ça va. En fait, j'avais peur que ça soit un peu space, mais bon, ça reste dans la direction de jeu, donc je pense que ça va. Ok, bon, là, on va pas trop tergiverser. Il joue ici. Et là, elle, j'en étais sûr, en fait, elle répond encore. Elle répond encore au nord. Enfin, elle choisit de choisir répondre encore au nord, mais elle choisit aussi d'aller jouer en bas à droite. C'est ce que je disais. Hein. Enfin, moi, je pensais que la direction c'était en haut à droite. Enfin, moi, c'est pas trop en haut à droite. Elle est plutôt en bas à droite. Bon, et le Sansan, c'est. Avec le Sansan, vous êtes quasi sûr de jamais trop vous tromper au jeu de go. Ça, c'est ça. Un truc que j'ai compris. Vous jouez Sansan, vous n'allez pas trop vous tromper. Donc, vous, Sansan, c'est bon. C'est pas un mauvais coup. Voilà. Et vous allez voir ici, hein, elle propose tout le temps double année en fait. Si vous faites année, c'est pour faire double année. Sinon, en fait, vous jouez le coup R6, le coup bleu en fait. Et voilà. Mais si vous faites année, aujourd'hui en fait, en gros, on joue année pour faire double année quoi. Et reculer ici, bon, comment dire, là, c'est plus noté comme étant une erreur parce que comme je suis déjà à plus de 90%, bah, ça va pas changer grand chose en gros pour Lila. Elle va pas dire c'est un coup à moins 15%, non, bien sûr, ou à moins 5. Non, je veux dire, c'est un coup à moins 1, mais moins 1 quand on est déjà à 90, c'est énorme parce qu'on se rapproche de plus en plus du 100, donc du coup, la partie finie totale, quoi. Voilà. Et donc juste pour vous montrer, hein, voilà, si jamais Blanc joue là, on continue de pousser une fois. Alors, bon là, on peut jouer un peu tout n'importe quoi, encore une fois, parce que je suis à plus de 90%, mais on continue de pousser une fois, et ensuite on joue ailleurs. Et souvent même d'ailleurs, elle fait ça. L'idée de ce coup, c'est facile, en fait. Si on répond, ensuite après, on peut jouer un coup par là ou un coup par là. L'idée, c'est d'avoir réussi à surconcentrer le blanc. Bref, donc du coup, c'est pas du tout ce qui se passe. Mon affaire joue là. C'est cata hein, quand même, hein. C'est pas terrible. Hein. Je suis déjà à 90, il perd encore moins 5, quoi. C'est assez horrible. Bon, du coup, en fait, après, je pense que la partie, peut-être vers la fin, en fait, en gros, il a dû se passer des choses. Là, je peux jouer à peu près tout ce que je veux, en fait, hein, je pense, dans la partie. Ouais, j'aurais peut-être ça. En fait, maintenant que j'y pense, oh là là, en fait, j'ai trop voulu vous montrer quelque chose. Mais j'aurais clairement dû simplement jouer là. En fait, je suis en train de me dire ça maintenant. Par exemple, jouer comme ça. Ou ne pas répondre du tout. Et comme ça a développé le potentiel.
Et c'était plus simple, j'aurais dû lui laisser. Petit problème technique, j'ai mon casque sans fil qui s'arrête. Chaque fois, c'est ça que j'ai toujours peur en fait quand je mets pas le fil. Donc bref. Là, 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 là. Oui, bon, ça, la séquence, ça, c'est Inseong qui me l'a appris celle-ci. C'est vrai que dans cette situation, encore une fois, j'aurais. Ouais, je suis pas rado. Et du coup, ouais, dans cette situation, j'aurais peut-être dû même jouer le coup Q13 pour prendre l'influence. Mais bon, c'est trop envie de jouer là pour enlever la base de vie. Bon, je pense qu'après, à partir de là, ça va. Pas grand chose à dire en fait. Hein. Ouais, je recule. Ouais, j'aurais dû reculer encore. En fait, j'aurais vraiment dû reculer encore en obis. Mais vraiment, je. En fait, j'ai pas le temps de compter la partie, je crois, à ce moment-là. Mais si je fais une évaluation, je pense que je suis terriblement devant. J'ai encore le coup K4 en fait, si je veux faire quelque chose contre le truc en bas, que j'ai fait d'ailleurs la partie. Mais ouais, j'aurais pas dû faire année, c'était un peu. C'était pas nécessaire. Voilà, donc là, faut vivre. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment dans la partie où il a pu revenir? Ça peut être ça qui est intéressant. Je pense pas en fait. Je pense que on a échangé des positions un petit peu. C'est-à-dire j'ai échangé mon centre contre son bord sud. Mais je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment un moment où. Oh, je sais en fait, en gros, c'est un peu flippant, mais je pense que je suis tellement devant. Si je compte, j'ai pas vraiment pris le temps de compter parce que je suis bio. Et je lance un peu plus vite. Et oui, là, en fait, je me fais un peu trop avoir. Mais vous voyez, même quand je me fais avoir, en fait. Enfin, je me fais avoir. Je me fais pas vraiment avoir parce que non. Enfin, ça marche quand même dans un sens pour moi, quoi. Parce que je suis synthé et je. Et voilà, quoi. Ouais, si, si, là, c'était peut-être pas terrible, en fait, ça. Ça, c'est. Non. Moi, j'aurais sans doute dû, voilà, protéger comme ça. Enfin, comme les coups qu'elle propose juste au-dessus. Ouais, non, ça, non. Non, ça, c'était pas super. Et oui, là, en fait, après. C'est vrai, pourquoi j'ai fait année, en fait. Ouais, bah là, j'ai mal lu, en fait, tout simplement. Là, je suis bête. Encore une fois, hein, vous voyez, hein, même en faisant cette erreur-là, en fait, en gros. Ah ouais? Planté là? Non. C'est juste qu'elle met du temps à comprendre que la partie est toujours très en avance pour moi, comme d'habitude quoi. Ouais, même ça, voilà. Quand elle fait ça, elle fait rire en fait quoi. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de pierres sur le plateau, et quand il y a commencé à y avoir beaucoup de pierres et que les pierres s'entrechoquent, voilà, c'est là en fait encore une fois où elle galère, elle met du temps un peu à comprendre. Et c'est souvent en fait si vous avez pas une grosse carte graphique, en gros c'est souvent à ce moment-là que ça peut vous induire en erreur en fait. Elle peut complètement péter un plomb à trouver en fait le bonne séquence. Mais c'est pareil, mais là en quoi? Mais là c'est trop marrant en fait ce qui se passe quoi. En fait elle est persuadée, je pense, qu'elle peut me tuer ici, puis après elle se rend compte qu'elle peut pas. Oui, mais là ça fait que descendre, hein. Vous voyez, on va pas le faire en fait à chacun des coups parce que là à chaque fois elle va redescendre à 4-5% hein, si je la laisse tourner, donc voilà, on va pas le faire. Et ouais, mais je pense que c'est bon, hein, genre. Oui, mais à chaque fois, hein, elle est persuadée, c'est marrant, elle est persuadée que ce coup-là en fait peut me faire chier. Alors c'est un grand coup, mais en fait non quoi. Bon, ok, d'accord. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, là en fait j'ai tellement flippé en fait aussi ici. Heureusement que j'ai bien lu. Hein. En fait j'ai hésité à jouer ça. Bon, je pense que même avec ça je gagnais encore. Parce qu'en fait elle peut jouer là, là, et puis après elle fait, ouais, il peut jouer comme ça. Il pouvait m'enlever quelques points, mais comme je suis très en avance en fait, il n'y avait pas trop de problèmes. Voilà. Voilà. Bref, donc, merci d'avoir regardé. Hop, je vais mettre ça sur pause quand même un petit peu. Merci d'avoir regardé. Bon, juste pour revenir, ouais, c'est vrai, c'est quoi du coup? Parce que, quelle est ma. J'ai quand même fait une erreur dans la partie, quoi. On peut regarder sur le graphe, en fait. Hop. Ouais, c'est vrai que.
mes seules erreurs en fait, en gros, assez grandes en fait, c'était ici. On veut dire si on regarde hein, sur le graphe. Hein. C'est là j'aurais pas dû jouer trop proche de la force en jouant Toby pour. Quand on veut attaquer, faut pas trop jouer trop proche. Parfois. Parfois faut jouer serré, mais parfois faut pas trop jouer serré parce qu'on se rend pas compte à quel point l'adversaire en fait en gros c'est aussi de la force ce qu'il a. Et ouais, là aussi en fait j'aurais dû pareil. En fait j'ai à jouer un peu trop collé en fait au pire, j'aurais dû desserrer pour mettre plus de pression. C'est un concept un peu étrange mais voilà. Si on joue trop collé en fait parfois on s'appuie sur l'adversaire, mais en fait c'est l'adversaire qui s'appuie sur nous un peu trop, plus que nous, plus qu'on s'appuie sur lui. Du coup voilà. C'est l'idée. Bref, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez toujours pas en fait à mettre des commentaires en fait pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur la partie, quoi que ce soit. Et du coup, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci, salut.